Alors, bonjour à toutes et à tous, c'est MyAirSofter. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite review de mon nouveau gilet tactique. Alors, donc je l'ai acheté à Sans Airsoft pour le prix de 55 euros, je crois, donc ça peut aller encore pour un gilet tactique. Alors, donc il est comme ceci. Alors, donc je vais vous le détailler un peu. Alors, donc, hop, je vous fais voir un peu comme ça l'ensemble. Voilà. Alors, donc déjà devant, vous pouvez voir qu'il y a 6 poches pour. Hop, donc voilà. Donc 3 de ce côté et 3 de ce côté. Mais bon, vu que je suis encore mineur, je suis pas assez gros, donc du coup je voulais le serrer, donc du coup moi j'en vois que 4. Alors donc voilà, ce qui est un petit défaut je trouve quand même. Donc voilà. Alors, donc 6 poches pour réplique principale. Donc là, une petite poche pour tout. Voilà. Hop. Donc là il y a 3 poches pour chargeur de PA. Là il y a une petite pochette sûrement pour mettre une radio ou un talkie-walkie ou. Donc voilà, je pense que j'investirai dedans pour un talkie ou une petite radio comme ça dans pas très très longtemps. Je verrai ça. Alors, donc dans le dos. Alors, donc on peut le resserrer aussi à ce niveau-là. Donc là aussi derrière le gilet, enfin derrière le holster qui était fourni avec, je sais pas trop à quoi il sert parce que dans le dos il pas d'une très grande utilité. Alors donc là il y a des passants mous, hop hein. C'est pour mettre, je sais pas si vous allez me comprendre, c'est pour mettre une genre un espèce de sac à dos que vous faites passer le petit cordon par là pour boire quoi, on va dire une gourde quoi. Alors donc voilà. Alors donc il y a les trucs aussi ici pour le resserrer, donc moi ils sont serrés à fond. Hop, puis là on a aussi l'autre côté. On peut le resserrer aussi au niveau de la ceinture. Attends. Hop, excusez-moi. Donc voilà, au niveau de la ceinture, on le règle avec là. Faut le serrer avec les scratchs et tout. Donc voilà. Alors, donc je vais vous montrer l'intérieur. Hop. Ce qui est bien pour l'été, c'est que là où il n'y a pas de poche, c'est en maillon, donc ça tient pas très chaud. Donc alors, ici. Il a une petite poche à fermeture. Donc, hop, attendez, excusez-moi. Hop, voilà. Qui est assez grande. Hein. Voilà, elle va jusqu'à là. Alors, hop, voilà. Donc, hop. Il y a la même de l'autre côté. Hop, voilà. Donc, ici. Qui est de la même taille. Hein. Voilà. Bon bah voilà, je sais plus trop quoi dire dessus. Donc voilà, bon bah salut, c'était pour vous faire la review de mon gilet tactique. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, abonnez-vous, mettez un petit j'aime ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, salut à toutes et à tous, c'était MyAirSofter.